Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam wa ala ashraf al-mursalin. Nous commençons le calcul trigonométrique pour les troncs communs, bien sûr. Donc, avec l'exercice 1, la première question, la mesure d'un angle en radian est pi sur 5, donnez sa mesure en grade, en degrés et en grades. La deuxième question, considère le point M d'abscisse Kelvin 1091 pi sur 5, petit a, donnez tous les abscisses curvilignes du point M. Petit b, déduire trois abscisses curvilignes différents, bien sûr, de l'abscisse curviligne 1091 pi sur 5 du point M. Petit c, donner l'abscisse curviligne principale de M et placer le point M, bien sûr, sur le cercle trigonométrique. Donc, avec la solution, bien sûr, en détail. Donc, la première des choses, donc, la première question. Donc, il s'agit bien sûr des techniques de conversion. Comment passer d'une unité de mesure à une autre pour un angle. Donc, un petit rappel, bien sûr, un angle, les unités de mesure d'un angle sont bien sûr le degré, le radian et le grade. En collège, bien sûr, on adopte, pardon, donc la mesure du degré. Et par contre, au lycée, bien sûr, et après le bac, bien sûr, on adopte l'unité de mesure, le radian. Donc, il faut bien connaître les techniques de passer d'une unité de mesure à une autre. Donc, bien sûr, une règle, petite règle qu'on a vue dans le cours, qui est très importante, qui nous permet de passer d'une unité de mesure à une autre, donc que je vais rappeler. Donc, rappel. Donc, si alpha est la mesure d'un angle en degré, et bêta sa mesure en radian, et gamma sa mesure en grade, alors on a alpha sur 180 est égal à bêta sur pi est égal à gamma sur 200. C'est cette double égalité, bien sûr, qui va représenter la règle principale, bien sûr, de la conversion, qui nous permet de convertir une mesure d'un angle à une autre mesure. Donc, c'est ce qu'on va utiliser, bien sûr. Donc, cette règle doit être apprise par chaque élève. Donc, en degrés, donc commençons par convertir, bien sûr, on nous a donné l'unité de mesure de cet angle en radian, pi sur 5, donc on va la convertir en, bien sûr, en degrés. Conversion en degrés. On a alpha sur 180 est égal à bêta sur pi. Or, on nous a donné la mesure de cet angle en radian. Bêta est égal à pi sur 5, donc il suffit de remplacer. Donc, ceci est équivalent donc alpha sur 180. Donc, ce symbole, c'est bien sûr, il remplace l'équivalence qu'on va voir l'année prochaine, Inch'Allah, en logique. Donc, c'est tout simplement pour simplifier que je l'utilise, bien sûr. Donc, alpha sur 80, donc je remplace bêta par sa valeur, donc c'est pi sur 5, le tout sur pi, et qui est égal, d'après, bien sûr, les règles du calcul numérique, c'est pi sur 5 multiplié par 1 sur pi. Donc, en simplifiant par pi, donc nous trouvons, donc, alpha sur 180 est égal à 1 cinquième. Et en utilisant les règles principales, produit des moyens est égal à produit des extrêmes. Donc nous aurons 5 alpha est égal 180 fois 1 est égal 180. Ce qui est équivalent, bien sûr, que alpha est égal 180
sur 5, puisque 180 il est divisible par 5, puisque son chiffre d'unité est 0. Donc nous trouvons 36 degrés. Donc voilà l'unité, bien sûr, de mesure de cet angle en degrés, c'est 36 degrés. Maintenant, on va passer à la conversion. Conversion en grade. Bien sûr, le grade, il est moins utilisé, bien sûr. Donc, les unités les plus utilisées, bien sûr, sont le degré et le radian. Toujours, on utilise la règle qu'on vient de rappeler. Alpha, bêta sur pi, bêta sur pi, est égal gamma sur 200 grades, bien sûr. Bêta sur pi, donc on vient de le calculer, bien sûr, donc c'est 1 cinquième. Donc 1 cinquième est égal à gamma sur 200. Produit des moyens est égal à produit des extrêmes, donc nous aurons donc gamma est égal à 200 sur 5. Bien sûr, qui est égal à 40 degrés. 40 bien, grades GR. Donc voilà la mesure de cet angle en grade, c'est 40 degrés. Passons maintenant à la deuxième question. La deuxième question. On nous a donné un point d'abscisse curviligne 1091 pi sur 5. Donnez tous les abscisses curvilignes. Bien sûr, là aussi, on va faire un petit rappel. Donc, il faut bien apprendre son cours. Rappel 1, rappel 2, rappel 2. Si alpha est un abscisse curviligne, on va l'appeler par exemple alpha 0. Si alpha 0 est un abscisse curviligne d'un point point M, alors M a une infinité, c'est-à-dire il n'a pas un nombre fini, mais un nombre infini a une infinité d'abscisses curvilignes qui sont bien sûr bien sûr, l'abscisse curviligne qu'on dispose, c'est-à-dire alpha 0, et on lui ajoute 2k pi avec k varie bien sûr dans z. Donc c'est alpha 0 plus 2k pi. Mais il faut bien souligner avec où k appartient à z, parce que certains élèves croient que k varie dans R. Attention, k dans z. Z contient les entiers naturels et leurs opposés. Donc, chaque fois qu'on dispose d'un abscisse curviligne, il suffit d'ajouter 2k pi avec k varie dans z. Voilà. On a besoin de cette petite règle pour répondre à cette question. Or, nous, on dispose de alpha 0 qui est 1091 pi sur 5. Les abscisses, ça c'est petit a, bien sûr, les abscisses curvilignes de M sont les nombres. Donc alpha 0, bien sûr, alpha 0 c'est 1091 pi sur 5 plus 2k pi, où k varie dans z. Autrement dit, pour chaque valeur de k, si on remplace k par 0, donc on trouve bien sûr un abscisse curviligne. Si on remplace k est égal à 1, on va trouver un autre. Si on remplace k est égal à 2, etc. C'est la même chose pour les valeurs négatives. Si on remplace k par moins 1, par moins 2, par moins 3, donc on trouve bien sûr un point sur le secteur trigonométrique à une infinité, c'est-à-dire à un nombre infini d'abscisses curvilignes.
Donc voilà la réponse à cette petite question. Et bien sûr, dans la question petit b, c'est une déduction, déduire trois abscisses kelviniennes. Donc, nous voulons trois abscisses kelviniennes autres que l'abscisse kelvinienne alpha 0 qui est égale 1091 pi sur 5. Donc, il suffit de remplacer, bien sûr. Donc, par exemple, je remplace k est égal à 1. Donc, je remplace, donc j'aurai 1091 pi sur 5 plus 2 pi. Je vais l'appeler par exemple alpha 1. Donc, alpha 1 est égal. Donc, 10, 10 pi. Donc, ça nous donne, bien sûr, donc 0. Donc, 1. Donc, 1101 pi sur 5. Donc, c'est un abscisse kelvinien. Prenons par exemple K. K est égal à 2. K est égal à 2. Donc, 1091 pi. Donc, chaque élève a le choix, bien sûr. Seulement, il faut faire attention. Il faut remplacer K, par exemple. Il faut éviter de remplacer, par exemple, K est égal. Égale 3,5 ou bien 1,5 ou bien 3,5 puisqu'il n'appartient pas à z. Donc si je remplace k par 2, donc j'aurai plus 4 pi. Donc je vais le nommer par exemple alpha 2. Donc alpha 2 à quoi est égal? Donc alpha 2 est égal donc 20. Donc c'est 1, 11 pi. Sur 5. Voilà, est un abscisse curviligne. Prenons par exemple maintenant k est égal moins 1. Donc nous aurons bien sûr donc alpha 3. Alpha 3 est égal 1091 pi sur 5. Si je remplace k par moins 1, c'est moins 2 pi. Donc, nous aurons alpha 3 est égal 1091 pi moins 10 pi sur 5 est égal 1081 pi sur 5. Donc, voilà la réponse à cette question. Donc, si on nous propose de déterminer, bien sûr, un nombre fini d'abscisse kelvinienne, on adopte cette petite méthode. Donner l'abscisse kelvinienne de C. Donc, petit c, c'est très important l'abscisse kelvinienne. Donc, là aussi, je vais faire un rappel. Donc, rappel 3. Alpha 0 est dit abscisse kelvinienne. Principal, si et seulement si, en abrégé 2SI, si et seulement si, alpha doit être inférieur ou égal à pi, et attention, est là strictement inférieur à moins pi. Donc, pour déterminer l'abscisse kelvinienne principale, bien sûr, on adopte deux méthodes. Une méthode qui est plus courte, et une méthode qui est un peu longue, bien sûr, et basée sur l'encadrement. Donc, je vais commencer par la méthode la plus courte que je vous conseille, bien sûr, de l'adopter. Méthode 1. Donc, on a les abscisses. Les abscisses, donc, je vais adopter l'écriture en abrégé. Les abscisses kelviniennes, AC, abscisses kelviniennes. De M sont, d'après une question précédente, sont 1091 pi sur 5 plus 2 pi. Donc, la méthode, bien sûr, donc basée sur l'encadrement. Donc, c'est.
la méthode que je viens de dire, qui est un peu longue, que la plupart, bien sûr, adoptent. Donc, basé sur l'encadrement, sur l'encadrement. Donc, au cas, bien sûr, toujours, il faut faire attention, appartient à Z. Donc, ce sont tous les abscisses qui vivent du point M, et parmi eux, il existe un et un seul qui vérifie cette condition. Donc, qui est inférieur à P, pardon, à pi, et strictement supérieur à moins pi. Donc, on va le chercher par cette méthode d'encadrement. Donc, on veut, parmi ce nombre infini, bien sûr, d'abscisses curvilignes, celui qui réalise, bien sûr, cette condition, inférieur ou égal à pi, strictement inférieur à moins pi. Bien sûr, il existe un et un seul. Il y a l'unicité, bien sûr, de l'abscisse curviligne principale. Donc, ceci est équivalent, donc est équivalent, donc moins pi. À l'intérieur, on va factoriser par pi, donc il nous reste 91 sur 5, plus 2k, inférieur ou égal à pi. Et on va diviser tous les membres par pi, bien sûr, pi strictement positif, rien ne change. Donc, nous aurons moins 1, 1091 sur 5, plus 2k, inférieur ou égal à 1. Puis on va rajouter à tous les membres l'opposé de 1091 sur 5, autrement dit moins 1091 sur 5. Donc nous aurons moins 1, moins 1091 sur 5, inférieur strictement pardon. Donc il faut faire très attention. À 2k, inférieur ou égal à 1, moins 1091 sur 5. Et bien sûr, donc, si on effectue le calcul, donc on va trouver, bien sûr, 1096, donc moins. Donc ceci, toujours, il est équivalent à moins 1096 sur 5, strictement inférieur à 2K, inférieur ou égal. Moins 1086 sur 5. Donc, on va encore une fois diviser par 2 parce qu'on a besoin de l'encadrement de k tout simplement. Donc, on divise tous les membres par 2. Donc, moins 1096 sur 5 divisé par 2, c'est moins 1086 sur 10, strictement inférieur à k et là inférieur à moins 1086. Sur 10. Donc, après petit calcul, donc ça nous donne bien sûr donc moins 109,6. Les règles, bien sûr, de calcul de la division d'un nombre par 10. Et là, moins 108,6. Alors là, pour éviter les erreurs, il vaut mieux faire la droite numérique. Donc, et placer bien sûr ces nombres. Donc, on a moins ce nombre, moins 109,6. Bien sûr, il est inférieur au nombre qui est moins 109. Et moins 109, à son tour, il est inférieur à moins 108,6. Donc, on voit clairement que le seul entier relatif qui est strictement compris entre moins 109,6 et moins 108,6, c'est le nombre moins 109. Donc, c'est la valeur de K. Donc, K est égal à moins 109 et qui appartient bien à Z. Donc, l'abscisse curviligne principale en abrégé de M et I. Donc, je vais noter par exemple alpha 0 est égal. Donc, 1091. Donc, on revient à l'expression des abscisses curvilignes. Donc, 1091 pi sur 5 plus 2k pi. Je remplace k par la valeur trouvée.
1091 pi sur 5, plus 2 fois, moins 109 pi. Divin nous donnait bien sûr 1091 pi, si on rend au même dénominateur, donc moins 190 pi sur 5. Donc, est égal à pi sur 5. Donc, voilà l'abscisse curviligne principale de M. Vous voyez bien sûr que cette méthode, elle est longue. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième méthode. Donc, méthode que je vous conseille, puisqu'elle est plus courte. Méthode 2. Donc, il est basé sur les techniques, bien sûr, d'observation et les techniques de calcul numérique. Donc, on part de l'abscisse curviligne qu'on nous a donnée. On a 1091 pi sur 5. Donc, je peux le décomposer en 1090 pi plus pi. Pourquoi cette opération? Pour avoir, bien sûr, un nombre qui est divisible par 5. Un nombre, je rappelle qu'un nombre est divisible par 5 si, seulement si, bien sûr, son chiffre d'unité est 0 ou bien 5. Donc, c'est 1090 pi, bien sûr, c'est 5 plus pi sur 5. Et là, bien sûr, si on effectue la division de 1090 par 5, donc on trouve 2. Donc, on trouve bien sûr 218 pi plus pi sur 5. Et comme pi sur 5, il est inférieur ou égal à pi, strictement supérieur à moins pi, donc l'abscisse curviligne principale de M est alpha 0, pi sur 5. En utilisant la règle suivante. Si on a alpha s'écrit sous la forme alpha 0 plus 2 capi, où K appartient à Z et alpha 0 il est inférieur ou égal à pi, strictement supérieur à moins pi, alors alpha 0 est l'abscisse curviligne principale de M d'abscisse curviligne alpha. Donc cette règle qu'on vient d'utiliser bien sûr. Donc maintenant, bien sûr, on va placer la dernière question, petit d. Donc, on nous propose de placer ou bien de représenter le point M sur le cercle trigonométrique. Bien sûr, donc, on va utiliser, puisque c'est une question, bien sûr, donnée dans l'exercice, donc il faut placer le point avec précision. Donc, on va utiliser la première question, c'est-à-dire la conversion de l'abscisse curviligne 1091 pi sur 50 degrés qu'on a trouvé. Donc, on a trouvé, bien sûr, 36 degrés. Donc, on va utiliser, bien sûr, le rapporteur et les outils, bien sûr, le compas et le rapporteur pour représenter convenablement ce point M. Donc, je vais commencer par la construction du cercle trigonométrique. Voilà le cercle trigonométrique. Le sens, il ne faut pas oublier le sens positif. Bien sûr, l'origine du cercle trigonométrique I et le centre du cercle trigonométrique O. Donc, je vais prendre le rapporteur, bien sûr, et mesurer
36 degrés. Donc, on a 10, 20, 30, bien sûr, 35, 36. Donc, essayez de tracer, bien sûr, la droite passant par ce point et le centre du cercle. Voilà. Le point M, donc là, on a. Donc, si, bien sûr, on. Donc voilà le point M, donc c'est ce qui est vilain. Donc on a le choix de placer 1091 pi sur 5 ou bien tout simplement l'abscisse principale, donc pi sur 5. Donc voilà, on vient de terminer ce premier exercice qui est très intéressant. Donc soyez au rendez-vous pour l'exercice numéro 2. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.